partager avec vous une raison pour laquelle plusieurs personnes, avant même de commencer la délivrance, elles ont déjà échoué dans la délivrance. Que ce soit des serviteurs ou des servantes de Dieu qui essaient d'exercer le ministère de délivrance sur les membres de leurs églises ou leur ministère, ou que ce soit un chrétien qui essaie de faire l'autodélivrance sur soi-même. La première raison pour laquelle on échoue, c'est à cause de l'approche. L'approche que nous avons est une mauvaise approche. Et c'est une approche qui a été présentée au corps de Christ pendant des années. Et cette approche, c'est qu'on amène toujours les enfants de Dieu à se focaliser sur le problème pour détruire le problème. On amène les enfants de Dieu à se concentrer sur la montagne pour déplacer la montagne. On amène les enfants de Dieu à se concentrer sur leur captivité pour sortir de cette captivité. Cette approche est une mauvaise approche. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir si un enfant de Dieu a peut-être une heure pour prier, pour sa délivrance. En ces 60 minutes, il va prendre 5 minutes pour adorer Dieu. Il va prendre 5 minutes pour se repentir de ses péchés. Il va prendre 5 minutes pour invoquer le Saint-Esprit de venir l'aider. Et après, il va prendre 45 minutes pour lancer le feu, pour chasser les démons, pour briser les alliances, pour annuler les malédictions, pour détruire les réclamations, pour renverser l'homme fort, pour renverser les autels, les trônes. Et après avoir fait cela, il n'y aura pas de résultat. Et c'est ce que beaucoup de gens font maintenant. Ils passent leur temps à chasser les démons, à détruire les alliances, à faire les prières de combat, à faire les prières de délivrance, et il n'y a pas de résultat. Vous savez pourquoi il n'y a pas de résultat? Parce que vous devez savoir que ce qui va vous délivrer, c'est ce qui est en vous. Si en vous, le diable a encore ce qui l'appartient, vous ne pourriez pas être délivré de votre situation. Parce que vous ne pouvez pas avoir l'autorité sur le diable parce que vous utilisez le nom de Jésus. Vous pouvez utiliser le nom de Jésus, mais cela n'est pas suffisant pour avoir l'autorité sur le diable. Vous savez pourquoi Jésus a toujours eu l'autorité sur le diable pendant tout son vivant ici sur terre? Il a dit dans Jean chapitre 14 verset 30, il a dit: le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Jésus a dit que le diable n'a rien en moi. En Jésus, il n'y avait rien qui appartenait au diable. Tant qu'en toi, il y a des choses qui appartiennent au diable, tu vas beau faire les prières de délivrance, tu vas beau faire les prières de combat spirituel, mais tu ne seras jamais délivré. Et c'est la mauvaise approche qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens prier pendant 5 heures de temps pour détruire un hôtel. Mais combien de temps ils prient pour demander à Dieu de changer leur cœur? Combien de temps ils prient pour demander à Dieu de changer leur caractère? Combien de temps ils prient pour demander à Dieu de les rendre humbles? Combien de temps ils prient pour demander à Dieu d'arranger leur intérieur? Parce que ce qui va te donner l'autorité sur le monde des ténèbres, ce n'est pas seulement le nom de Jésus. Parce que si c'était seulement le nom de Jésus, alors aucun enfant de Dieu aurait besoin de quelqu'un pour l'aider. Tout le monde devait seulement dire au nom de Jésus et sa situation devait cesser. Mais c'est parce qu'on n'a pas fait comprendre aux gens que ce qui te permettra d'être délivré, c'est quand tu auras l'autorité sur le diable et sur ses agents. Et pour avoir l'autorité sur le diable et ses agents, ce n'est pas en lançant le feu sur le diable, ce n'est pas en lançant le feu sur les démons pendant des heures, mais c'est en travaillant sur ta relation personnelle avec Dieu. C'est en travaillant sur la condition de ton cœur, sur la qualité de ton cœur. C'est en travaillant sur ta personnalité. C'est en travaillant sur ton caractère. Parce que c'est ça qui va déterminer la puissance que le nom de Jésus-Christ aura dans ta vie. C'est pour ça qu'au lieu de prendre une heure de temps pour chasser un démon, je préfère prendre 45 minutes pour demander à Dieu de rendre mon cœur comme le cœur de Jésus, pour demander à Dieu de m'aider à ressembler à Jésus, pour demander à Dieu de m'aider à être rempli des sentiments dont Jésus était rempli, pour demander à Dieu
de m'aider à avoir un caractère, un comportement, une attitude et une pensée qui reflètent la parole de Dieu. Si je prends 45 minutes pour demander cela à Dieu, et je prends 15 minutes pour chasser un démon, ce démon sera obligé de partir. Pourquoi ce démon va partir? Il va partir parce que lorsqu'il regardera en moi, il ne verra plus en moi ce qui est de lui. Le diable pourra partir parce que lorsqu'il regardera en toi, il ne verra plus en toi ce qui est à lui. C'était ça la force de Jésus. Jésus se rassurait qu'il ne permette pas au diable de mettre quoi que ce soit en lui. Il se rassurait qu'il ne permet pas quoi que ce soit qui appartient au diable de se retrouver en lui. Et c'est ça qui donnait toujours à Jésus la supériorité et l'autorité sur le diable. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8? La Bible dit que quoi? Soumettez-vous à Dieu. Et ensuite la Bible dit quoi? Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Et beaucoup de gens regardent seulement le côté qui dit résistez au diable, il s'enfuira loin de vous. Mais on ne sait pas que pour résister au diable, il y a une condition à remplir. On ne résiste pas au diable parce qu'on prie beaucoup. On ne résiste pas au diable parce qu'on jeûne beaucoup. On ne résiste pas au diable parce qu'on lit trop la Bible. On ne résiste pas au diable parce qu'on intercède beaucoup. On ne résiste pas au diable parce qu'on prie en langue toute la nuit. On résiste au diable parce qu'on se soumet à Dieu. C'est ça que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Ensuite, résistez au diable. Quelqu'un qui n'est pas soumis à Dieu ne peut pas résister au diable. Et sûrement tu vas dire, mais pasteur, je suis soumis à Dieu. J'ai donné ma vie à Christ. Non, donner sa vie à Christ ne veut pas dire qu'on est soumis à Dieu. Aller à l'église ne veut pas dire qu'on est soumis à Dieu. Être pasteur, prêcher l'évangile ne veut pas dire qu'on est soumis à Dieu. Intercéder ne veut pas dire qu'on est soumis à Dieu. Prier en langue tous les jours de minuit à 6 heures du matin ne veut pas dire qu'on est soumis à Dieu. Être soumis à Dieu, ça veut dire que on a fait de Dieu le maître et on a établi Dieu souverain sur notre cœur, sur nos choix, sur nos goûts, sur nos préférences, sur nos pensées, sur nos actions, sur nos paroles, sur nos comportements. C'est ça, se soumettre à Dieu. Quand une personne s'est soumise à Dieu, ça veut dire que cette personne a décidé de faire des préférences de Dieu ses préférences. Cette personne a décidé de faire des goûts de Dieu ses goûts. Cette personne a décidé de faire de la parole de Dieu ses paroles. Cette personne a décidé de faire des pensées de Dieu ses pensées. Cette personne a décidé de faire des actions de Dieu ses actions. Cette personne a décidé d'avoir un comportement ou une attitude ou un caractère qui reflète la parole de Dieu. C'est ça, se soumettre à Dieu. Faire des jeûnes de 40 jours n'apportera aucun résultat. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des jeûnes de 40 jours, même pendant toute l'année. Mais pourquoi après ces jeûnes de 40 jours, rien ne se passe? Pourquoi il n'y a pas un petit changement? Pourquoi il n'y a même pas une petite évidence de délivrance? Parce que l'approche que vous avez est mauvaise. L'approche que vous avez est mauvaise. Je suis l'une des dernières personnes qui peut critiquer le ministère de délivrance. Parce que c'est un domaine dans lequel Dieu m'a appelé à enseigner les gens. Mais je vous dis que moi, en tant que personne qui est appelée à enseigner les gens dans le domaine de la délivrance, je ne prends pas la plupart de mon temps de prière pour chasser les démons ou pour détruire les œuvres des ténèbres. Non. La plupart de mon temps de prière, c'est pour travailler sur mon cœur, pour travailler sur mon caractère, pour travailler sur mon attitude, pour travailler sur les vertus de Dieu en moi, pour travailler sur les fruits de l'Esprit en moi. Parce que je sais, quand toutes ces choses-là sont en moi, je n'aurai pas besoin de combattre toute la nuit avec un esprit. Quand je dirai au nom de Jésus, maladie part, la maladie sera obligée de partir. Pas parce que je l'ai commandé de partir au nom de Jésus.
mais parce qu'en moi, elle ne trouvera plus ce qui appartient à son maître Satan. Donc, enfant de Dieu, changez l'approche que vous avez lorsqu'il s'agit d'obtenir votre délivrance. Chassez les démons, oui. Brisez les alliances, renversez les autels, annulez les réclamations, détruisez les envoûtements, les mauvais sorts, oui. Mais si plus de 50% de ton temps de prière est focalisé sur ces choses que je viens de citer, tu ne seras jamais délivré. Tu ne seras jamais délivré. Tu ne seras jamais délivré. Si tu veux vaincre le diable, travaille sur ton homme intérieur. Si tu veux vaincre le diable, passe la plupart de ton temps à demander à Dieu de t'aider à manifester les fruits de l'esprit. Passe la plupart de ton temps à demander au Saint-Esprit de te remplir. Au lieu de passer 6 heures de temps à renverser les autels de la maison de ton père et de ta mère, je te donne un secret qui te permettra de renverser les autels de la maison de ton père et ta mère facilement et rapidement. Au lieu de prendre 6 heures de temps chaque nuit, chaque veillée de prière, pour renverser les autels de ton père et de ta mère, sur ces 6 heures de temps-là, prends 45 minutes pour renverser les autels de la maison de ton père et de ta mère. Et les autres heures qui restent, dans 5 heures, 15 minutes, prends ces 5 heures, 15 minutes pour demander au Saint-Esprit d'enlever dans ta vie tout ce qui n'honore pas Dieu, afin que tu sois à la ressemblance de Dieu. Tu verras, les autels de la maison de ton père et de ta mère ne vont plus être capables de te résister ou de résister à tes prières. Change ton approche. Si tu changes ton approche, tu vas commencer à expérimenter la délivrance. Ça, c'est un secret que je vous donne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on attend. Aujourd'hui, on dit aux chrétiens, passe toute la nuit à briser cet autel, ça va se briser. Passe toute la nuit à lancer le feu contre cet esprit, ça va partir. La Bible a dit dans Marc chapitre 16 que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Si tu as dit au nom de Jésus, démon part, le démon ne part pas. Ça veut dire que le problème n'est plus au niveau de Dieu, le problème au niveau de toi. Le nom de Jésus marche toujours. Mais si le nom de Jésus ne fonctionne pas, si le nom de Jésus que tu prononces n'arrive pas à déloger un démon, ça veut dire qu'il faut rentrer maintenant à l'intérieur de toi-même et changer ta prière et dire que Saint-Esprit, enlève en moi tout ce qui m'empêche d'être à l'image, à la ressemblance de Dieu. Parce que je vais te dire quelque chose. Les esprits familiers de la maison de ton père et de ta mère, ils s'en foutent de toi. Ils s'en foutent de ton titre pastoral. Ils s'en foutent si tu es prophète, si tu es prophétesse. Ils s'en foutent si tu es enfant de Dieu. Ils s'en foutent si tu parles en langue. Ils s'en foutent de tes prières. Ils s'en foutent des versets bibliques que tu déclares à chaque seconde. Si lorsqu'ils te regardent, ils ne voient pas en toi la ressemblance de Jésus, tout ce que tu vas leur dire, ils vont blaguer, ils vont rire. C'est pour ça que vous pouvez voir un chrétien chasser un démon sur quelqu'un. Vous allez voir le démon rire. Le démon dit, je ne pars pas. Il dit au nom de Jésus, pars. Le démon dit, je ne pars pas. Et le démon rit. Le démon peut me rester là, il dit que continue à me chasser, quand tu seras fatigué, tu me dis. Vous savez pourquoi un démon peut faire ça? C'est parce que lorsqu'il regarde, il scanne spirituellement. Parce que vous devez savoir que tout agent des ténèbres a la capacité de scanner un être humain pour voir son intérieur, pour voir son esprit. Lorsqu'il te scanne, il constate que tu n'es pas à la ressemblance de Jésus. Même si tu prononces le nom de Jésus du matin au soir, il ne peut pas partir. C'est pour ça que certains d'entre vous, vous allez d'église en église, de pasteur à pasteur, de prophète à prophète, d'apôtre en apôtre. Vous êtes à la recherche de la délivrance. Et on ne vous dit pas, on ne vous enseigne pas dessus.
Et vous pensez qu'avec une prière magique, vous serez délivré. Oui, un serviteur de Dieu qui a l'onction, s'il prie sur vous, l'esprit va partir. Mais vous n'êtes pas délivré de cet esprit. Parce que ce qui a tiré cet esprit dans votre vie est encore là. C'est encore là. Donc si tu prends plus de 50% de ton temps de prière pour prier contre les forces des ténèbres ou contre les œuvres des ténèbres, tu as déjà perdu le combat. Tu as déjà perdu le combat. Tu ne seras jamais délivré. Avant de venir faire un programme de délivrance, je ne passe pas mon temps à lier, à attacher les esprits, non. Je prends peut-être 5 minutes, juste 5 minutes, pour lier et détruire toutes les œuvres des ténèbres contre ce programme. Mais le reste du temps, quand je prépare un programme, quelle est ma prière? C'est que Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi et viens opérer au travers de moi. Mais certains serviteurs de Dieu connaissent ce secret, mais ils ne vont pas les partager. Et vous allez passer votre temps à lancer le feu contre le diable. Le feu. Toute la nuit, tu es là. Le feu. C'est pas ça qui va te délivrer. Je te mets un défi. À partir d'aujourd'hui, au lieu de passer toute la nuit à lancer le feu, passe toute la nuit à demander au Saint-Esprit de venir te remplir et de prendre le contrôle de ta vie. Quand tu vas finir de prier le matin, ce mal qui est sur ton corps, tu n'auras même pas besoin de prier. Dès que tu vas mettre la main, ça va partir. Ça va partir. Lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, lorsque tu as travaillé sur ton cœur, sur ton caractère, sur ta personnalité, sur ton homme intérieur, sur ton attitude, tu n'as pas besoin tout le temps de commander un démon de partir, il va partir. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu peut seulement toucher une personne. Directement, il manifeste le démon. Le démon commence à manifester. Il n'a même pas parlé au démon. Il n'a rien fait. Il a seulement touché la personne. Le démon manifeste. Pourquoi? Parce qu'il a passé toute la nuit à demander au Saint-Esprit de briser son cœur, de le rendre humble, de développer en lui les vertus de Dieu, de développer en lui les fruits de l'Esprit. Voilà les choses qui vont te permettre d'obtenir ta délivrance comme ça. Au lieu de prendre 40 jours pour renverser les autels de la maison de ton père et de ta mère, prends 40 jours pour que le Saint-Esprit détruise le moi en toi. Prends 40 jours de jeûne pour que le Saint-Esprit détruise, brise ton cœur, te rende humble. Quand tu sortiras d'un jeûne pareil, tu n'auras même plus besoin de parler aux démons. Dès qu'ils vont te voir, ils vont fuir. Donc, change ton approche. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus prier contre les démons, qu'il ne faut plus chasser les démons. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus briser les alliances. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus faire les prières de délivrance et de combat spirituel. Non, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je suis en train de dire que change ton approche. Investis plus ton temps de prière pour perfectionner ton homme intérieur, pour améliorer ton homme intérieur, pour demander à Dieu de t'aider à ressembler à Jésus. Et quand tu le feras, tu auras plus de victoire lorsque tu feras tes prières de délivrance et de combat spirituel. Donc, l'approche que tu as avant de te lancer dans le processus de délivrance ou du combat spirituel va déterminer si tu vas réussir ou pas. Parce que tu dois savoir une chose, la délivrance est prédictive. On peut prédire si quelqu'un sera délivré ou pas. Il suffit juste de regarder son approche, de regarder son attitude, de regarder sa manière de faire. C'est suffisant pour déterminer si cette personne sera délivrée ou pas. Donc, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, change ton approche. Prends plus de temps pour travailler sur ta personnalité. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Tant que tu ne travailles pas sur ton homme intérieur,
tu ne pourras jamais être réellement sanctifié ou saint. Et tant que tu n'es pas réellement sanctifié ou saint, le Saint-Esprit qui est en toi, il s'appelle le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne fonctionne que dans les saints. Il s'appelle le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il ne fonctionne que dans les saints. Donc si tu n'es pas saint, si tu n'es pas sanctifié, le Saint-Esprit ne pourra pas agir dans ta vie comme il est supposé agir. Et tu ne peux pas être sanctifié et être saint si tu ne travailles pas sur ta personnalité, si tu ne travailles pas sur l'intérieur de toi-même, si tu ne travailles pas sur ton cœur, si tu ne travailles pas sur ton caractère, sur ton comportement, tu ne pourras jamais être saint. Il y a des habitudes que tu sais qui ne sont pas bonnes, que tu dois cesser. Mais tu ne cesses pas ces habitudes. Mais tu penses qu'en faisant les prières stratégiques que je te donne, tu seras délivré. Non, ce n'est pas les prières stratégiques que je te donne qui vont te délivrer. Ce qui va te délivrer, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Mais si en toi, il y a encore les choses qui appartiennent à Satan, tu ne pourras pas résister au diable. C'est ça que la Bible a dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais on ne peut pas résister au diable si on ne s'est pas soumis à Dieu. Et se soumettre à Dieu, c'est travailler sur ton homme intérieur et te rassurer que tu sois à la ressemblance de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse par ce message et qu'il te donne la grâce de pouvoir réorganiser ton approche et ta manière de prier pour la délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.